Donc je peux commencer suivant la trame que vous m'avez suggéré. Donc je vais commencer à parler de mettre en perspective toute cette histoire d'ethnologue ou d'ethnologie qui a tramé ma vie, enfin qui a une grande composante de mon existence. Alors si je remonte dans le temps, apparemment, rien ne me prédisposait à faire de l'ethnologie, voire même à devenir un intellectuel. Mes parents étaient des ouvriers, j'étais dans des conditions d'existence modestes, sans faire dans le misérabilisme, mais quand même, nous vivions dans une pièce cuisine, dans le 15e arrondissement. Moi, je suis un enfant de Paris, je suis né à Paris, il y avait un petit côté parigot. Mais en même temps, de cette enfance un peu comme ça, triste apparemment, j'en ai gardé un souvenir plutôt heureux. J'ai des souvenirs d'ailleurs, oui, plutôt agréables, sauf exception, il y a eu des moments durs, mais quand même. Et donc, simplement, très tôt, il me semble, j'ai eu une attention assez forte autour de moi, c'est-à-dire à ce qui me différenciait des uns et des autres, au milieu de ma famille. Il y a très tôt eu une interrogation sur très tôt, je crois même dès l'école communale où je constatais qu'il y avait des enfants qui étaient encore plus pauvres que moi, ou en tout cas, comme disait ma mère, il y avait la basse classe. Elle avait une expression pour parler de ça. Et donc j'ai eu quand même une attention comme ça au monde qui m'environnait, au quartier où j'habitais, aux gens. Alors j'étais un bon élève jusqu'à la communale en particulier. Donc d'une certaine façon, malgré tout, je sentais qu'il y avait quelque chose qui faisait que quand même je pouvais faire des études, puisque ça marchait bien à l'école et ça marchait bien au lycée jusqu'en troisième. Et en troisième, bizarrement, là, quelque chose s'est passé. Est-ce que c'est lié à la crise de l'adolescence ou est-ce que... En tout cas, ça marchait plus bien au lycée Buffon où j'étais à Paris. Et je commençais à avoir des mauvaises notes, enfin... Donc ça a patiné jusqu'en première. Et première, j'ai redoublé ma première. Je me souviens, mon prof de russe, je faisais du russe, je m'étais inscrit en quatrième, en deuxième langue en russe. Pourquoi je m'intéressais au russe? Alors là, il y a eu chez moi très tôt quelque chose d'exotique, en quelque sorte, hein, un goût de l'ailleurs qui était... non pas l'Afrique, mais la Russie, et donc j'avais pris, je faisais du russe, et d'ailleurs j'ai gardé encore un peu, je peux échanger quelques phrases en russe, même si j'ai perdu beaucoup, voilà, en tout cas, voilà. Donc, mon prof de russe avait dit, écoute, parce qu'il m'aimait bien, il disait, il faut qu'il redouble, ça ira mieux après, donc voilà, donc je me souviens, c'était... Et donc, en effet, j'ai redoublé ma première. Et en effet, après la première, les choses ont... Voilà. Alors, il se trouve aussi, c'est la période où j'ai commencé à lire, vraiment. En seconde et première, alors qu'avant, je ne lisais pas. Donc, j'ai commencé à lire. Et donc, j'ai rattrapé un peu le temps perdu. Et donc, j'ai commencé à lire. Mais si j'ai lu, c'est parce que aussi, j'ai rencontré des amis, des copains, dont un est toujours là, un de mes vieux copains d'enfance. Et c'était bien sûr des lectures de l'époque, c'est-à-dire des lectures de militants, mon premier livre que j'ai jamais lu, vraiment, c'est le Manifeste du Parti communiste de Karl Marx. J'ai un souvenir ému d'avoir
posé sur la table de la cuisine de chez mes parents, le 10-18, avec la barbe, vous savez, de Karl Marx, et je lisais ce... Avant de le lire, je le regardais comme un livre, comme un objet, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, et donc, j'ai lu autre chose, évidemment, mais enfin, ça a été ça. Donc, je suis devenu, d'ailleurs, militant d'extrême-gauche à l'époque, comme beaucoup hein, de cette génération. Et puis, et ce copain, Dominique Fragère, je vous en reparlerai après, parce que je viens de faire une préface d'un livre qui vient de sortir lui maintenant. Vous voyez, cette histoire se boucle, y compris maintenant. On allait le dimanche sur les quais de la Seine avec les bouquinistes et on parlait. Et c'est lui qui me formait en quelque sorte. J'ai eu un premier maître, c'est lui. Il avait un an de plus que moi et c'est lui qui me disait des choses. Donc il avait chez lui, il avait 400 livres, il avait 15 ans. Donc vous voyez, donc ça a été quelque chose de très important. Donc avec lui, je me suis formé. Bien sûr, je l'ai suivi dans les groupuscules trotskistes, histoire française, très française, le trotskisme, dans un des groupes trotskistes. Mais j'ai quitté très vite ce monde-là des trotskistes pour aller dans un groupe très intéressant qui s'appelait, enfin, c'était la fin de Socialisme ou Barbarie. Est-ce que vous connaissez ce très important, la revue parce que dans cette revue Socialisme pour Barbarie, il y avait trois grands intellectuels français qui vont se découvrir après. Mais à l'époque, ils n'étaient pas connus comme tels. Ils avaient d'ailleurs des pseudos. C'était Cornelius Castoriadis, c'était Jean-François Lyotard, qui lui signait de son nom, et c'était Claude Lefort. Ils avaient déjà quitté le groupe à l'époque, mais j'appartiens au groupe qui était héritier de toute cette histoire, donc, qui s'appelait Pouvoir ouvrier à l'époque, mais c'était hérité. Donc je lis toute la littérature produite par Castoriadis, Lyotard, dans la revue Socialisme pour Paris, j'avais 17 ans ou 18 ans. Donc si vous voulez, donc, là, il n'y a pas d'Afrique, mais il y a quelqu'un qui petit à petit lit beaucoup, mais commence à lire des gens qui vont devenir après des gens très importants. Hein. Et donc d'ailleurs, je vais devenir pour Castoriadis un collègue ensuite. Ça me fera drôle quand je rentrerai à l'école des hautes études en sciences sociales de découvrir que Castoriadis, qui était encore en vie, était là et que je deviens son collègue. Là, ça m'a fait bizarre. En tout cas, j'étais pas peu fier, évidemment, puisque des années auparavant, je lisais non pas Castoriadis, mais Pierre Chaulieu. C'était son pseudo à l'époque. Voilà, donc c'est une histoire, ça, que je ne vais pas raconter là, mais qui est très, 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 très intéressante. Alors, arrive bien sûr mai 68. Et bien sûr, je fais partie de ces gens qui ont fait 68 depuis le 3 mai jusque. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter mai 68, mais en tout cas, j'ai connu 68 de près, j'avais 20 ans, donc voilà, c'était. Et là, il y a eu, à partir de 1968, disons, je dirais de 67 à 71, je dirais, j'ai connu une période la plus enchantée de ma vie. La période la plus enchantée de ma vie, parce qu'à la fois, je passe mon bac, je suis étudiant, je milite dans les rangs de cette extrême-gauche plutôt sympathique, anti-totalitaire, anti-stalinienne, voyez, avec tous les actes, voilà, avec des gens qui étaient des prestigieux, en quelque sorte. Et puis, il y avait tout un univers de copains autour de moi. Je deviens étudiant. Là, en étant étudiant, je commence à m'intéresser à l'Afrique. Parce que je rencontre deux profs qui étaient chargés de cours et assistants, donc des jeunes en l'occurrence, qui venaient justement d'Afrique, avaient fait leur thèse en l'occurrence, et l'un s'appelait Jean-Marie Gibal et l'autre Jean Bazin.
J'étais étudiant, eux ils étaient assistants, ils avaient l'un 8 ans de plus que moi, l'autre 10. Voilà, on était dans un écart d'âge quand même assez important. On devient amis. On devient amis. J'étais un bon élève sans doute, donc du coup j'étais un peu un bon élève, un bon étudiant. Ils m'aimaient bien. Il y avait quelque chose d'étrange qui s'est passé. Du coup ils étaient africanistes. L'un avait fait son terrain en Côte d'Ivoire, l'autre avait fait son terrain au Mali. Donc là, quelque chose se passe, et puis je fréquente le séminaire de Germaine d'Eterlin à l'EPHE, tout cet univers Dogon, Bambara, qui à l'époque est mystérieux, passionnant. Les 266 signes du Komo de Germaine d'Eterlein, etc., etc. Bref. Et donc, et puis je fais un mémoire, parce que les années passent, et donc je fais un mémoire sur les masques Bambara. Voilà, donc je m'intéresse de près à tout ce qui s'écrit sur les Bambara, etc. Donc voilà, les choses commencent à se peaufiner. Et puis surtout, je rencontre j'ai une fiancée à l'époque qui est belgo-anglaise, Christine Godfrey, qui dans un premier temps ne travaillait pas ou travaillait, faisait des petits jobs, etc., mais devient hôtesse de l'air à la Sabena. Et donc, une personne que j'ai beaucoup aimée, en quelque sorte, et donc des années à la fois intellectuelles, militantes et amoureuses, voilà, c'est pour ça que je parle d'une période enchantée. Voilà. Et donc, et des amitiés, Jean Bazin, Jean-Marie Gibal, et voilà. Donc, quatre années de 60, je dirais de 67 à 71 sont des années épatantes. Et puis arrive bien sûr un drame. Christine meurt. Alors là, ça me lie à l'Afrique éternellement, puisque elle meurt du paludisme à la suite d'un voyage au Libéria, à Monrovia. Elle rentre à Bruxelles où elle habitait. Moi, j'étais à Paris, donc on communiquait. J'avais pas de téléphone, rien du tout. Enfin, c'était une autre époque. Et en fait, elle meurt d'un palud foudroyant. Ça va très vite, si vous voulez. Donc, j'apprends sa mort par ses parents que je connaissais. On était très très liés. Hein, et donc, il était question même d'un mariage. Mais enfin, on était jeunes quand même. Elle avait deux ans de plus que moi. Elle était un peu plus âgée. Donc voilà, donc drame, quatre choses s'arrêtent là, mais mon entourage, alors on me dit de candidater à ce qui s'appelait l'Orstom à l'époque, dans la foulée, hein, et 3 mois plus tard, je rentre à l'Orstom. C'est-à-dire que, alors bien sûr, dans cette histoire, comment on rentre à l'Orstom alors qu'on n'a qu'une maîtrise. Je n'avais même pas passé ma maîtrise, je la passerai après. Donc vous voyez, pas de doctorat, rien, rien du tout. Donc bien sûr, il y a un concours. Hein. On me dit de le faire, moi je le fais. Et bien sûr, j'ai plus été coopté que j'ai passé un concours, puisque j'ai été aidé par toute une série de gens, en particulier Bazin et Gibal, qui parlent à des gens du jury, etc. Je fais connaissance, mais je ne le connaissais pas avant. On me dit d'aller le voir pour lui parler, puisqu'il était membre de ce jury. Il s'appelait Marc Auger, qui va devenir un ami aussi, très important ensuite. Et donc, je vais voir Marc Auger. Il écrivait sa thèse d'État. Quand je vais le voir à la maison, je vais me présenter. Voilà, on m'a dit de venir vous voir, je vais candidater à l'Orstom, c'est de la part d'un tel, etc. Ça se passait souvent comme ça à l'époque. Hein. Et donc, il me dit, bah, écoutez, jeune homme, enfin, je ne sais pas, il avait 14 ans de plus que moi, il était bon, très bien, on parle, je ne me souviens plus exactement de quoi on a parlé, mais en tout cas, on a parlé. Et puis, il se trouve que on m'annonce très vite premier
classé premier, comme élève-chercheur. À l'époque, c'était élève-chercheur à l'Orstom. Donc, alors, vous voyez, un malheur succède à un bonheur, si on peut dire. Ça s'est joué en 3 mois. Elle meurt au mois de mai. Je rentre à l'Orstom, je crois que c'était en septembre-octobre, vous voyez, donc. Et bien sûr, alors je passe un an à Paris, un an où je suis, où j'ai mon premier salaire, etc. Enfin bref, la vie quand même devient, où je, mais je ne connais rien à l'ethnologie, ou très peu de choses. Hein. J'ai fait un mémoire sur les masques Bambara, j'ai lu quelques trucs, et j'ai surtout fait des études, j'ai oublié de le dire, de philo. Hein. Avant, j'ai fait une licence, une maîtrise de philo, j'ai eu d'excellents profs, Candillac, Maurice de Candillac, Hélène Védrine, sur Hegel, sur Aristote, enfin je suis plutôt quelqu'un de... Et Jean Bazin, avec qui j'ai été très lié, est un philosophe, un agrégé, moi je ne le suis pas, mais lui était, etc. Donc la philosophie était un peu mon univers, hein. Je lisais beaucoup de philo, et j'en continue même encore à en lire, plutôt que de la sociologie ou de l'ethnologie. La socio me barbait un peu, plutôt qu'autre chose. Vous voyez, Durkheim, j'ai commencé à lire, mais enfin bon, c'était plutôt les règles de la méthode sociologique, les formes élémentaires de la vie religieuse, que j'ai lu après un peu mieux, mais si vous voulez, j'étais quand même, je préférais lire, même y compris des textes parfois imbitables de philosophie, comme Hegel, etc. Vous voyez, bref, c'était ça, et donc j'avais pas de bagage vraiment ethnologique. Donc durant cette année à Paris, je lis un peu plus même. Puis surtout, je découvre un monde formidable, le monde des africanistes en l'occurrence, hein, de l'époque, c'était en 71-72. Un monde des africanistes qui était, où il y avait à la fois des personnalités que je connaissais déjà un peu comme Bazin et Gibal, mais d'autres encore, et qui étaient à la fois amicaux, je veux dire, dans leur façon de vous accueillir, qui étaient des gens qui avaient déjà produit des choses. Je pense à des gens comme Emmanuel Terray, Claude Meillassou, des gens comme cela. Et surtout, c'était un milieu très animé intellectuellement, très fort intellectuellement. Alors bien sûr, à l'époque, il y avait d'un côté, il y avait des disputes évidemment très fortes entre les structuralistes, on peut dire, très influencés par Lévi-Strauss, y compris chez les africanistes. Hein. Et puis, il y avait les marxistes, si vous voulez, de différentes tendances, mais enfin, quand même, qui étaient là. Et surtout, il y avait l'influence à l'époque de Althusser, hein, qui était très important, et beaucoup d'entre eux avaient été élèves de Althusser. C'était le cas de Jean Bazin, c'était le cas de Terray, c'était le cas de Bonafé, de Pierre Bonafé, c'était le cas de Pierre-Philippe Ray, de tous ces gens-là, ils avaient été élèves de Althusser. Donc, ce milieu était vraiment... se disputait, se chamaillait, mais c'était intéressant. Il y avait le fameux séminaire de Claude Meillassou qui avait lieu à l'école des études en sciences sociales, où il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou, on était, je ne sais pas, 60, 70 à être là pour écouter Meillassou, mais pas seulement, il y avait des exposés. D'ailleurs, j'ai fait mon premier exposé là, chez Meillassou. Je dois dire, j'étais pas... ça a été dur, hein. C'était mon premier exposé, parce qu'après tout, il y avait ce petit jeune là qui vient d'arriver. C'est quoi, on dit du bien de lui, mais enfin bon, etc. C'était assez drôle aussi, malgré tout, il y avait un côté... On va le tâter, le terrain. Donc j'ai fait mon premier exposé sur les classes sociales en Afrique. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, les classes sociales, ça ne s'invente pas. Voilà, donc j'ai fait un truc là-dessus, bref. J'ai un souvenir, ça s'est plutôt bien passé, mais enfin bref. Ils étaient gentils, en même temps, quand même très très amicaux. Voilà, donc un milieu épatant, véritablement. Et j'étais en même temps sous protection. Il y avait un côté protecteur, vous voyez. Bien sûr, il y a eu ce drame qui avait fait que la protection s'était faite, hein, très, très fortement, mais ça continuait en quelque sorte. Et donc, tout le monde dit, oh, il faudrait envoyer d'Ozon en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est plutôt bien, c'est sympa là-bas, il y a un milieu sympa, voilà. Donc la protection continue, si vous voulez. Voilà.
Et donc, on me dit d'aller en Côte d'Ivoire. Moi, je suis très sage. Je dis bien sûr, etc. Djibal me disait, mais oui, c'est vachement bien, la Côte d'Ivoire. Il avait fait son terrain avant en Côte d'Ivoire. Et donc, je vais en Côte d'Ivoire. Je pars en 72, à l'automne 72, en Côte d'Ivoire. Et en effet, j'arrive dans ce pays. La première fois, je mettais les pieds en Afrique, hein, pour le coup. Hein. Donc, bien sûr, je suis frappé par la moiteur, cette humidité tout à fait chaude, humide à la fois, et des odeurs aussi, que j'ai perdues au fil du temps. C'est-à-dire que après, j'étais tellement habitué que je ne chantais plus. Mais au début, ça a été frappant. Hein. Et puis, en effet, là aussi, accueil formidable d'un milieu de Français, d'abord et avant tout, hein, qui était le centre Orstom de l'époque, qui est connu, qui a le centre Orstom de Petit Bassam. Donc Petit Bassam, c'est un quartier d'Abidjan, il y avait là un centre, et où là, il y avait des jeunes chercheurs aussi, qui soit étaient un peu plus âgés que moi, étaient là, qui m'attendaient comme si ils m'avaient connu. J'ai un souvenir très ému de cet accueil. Hein, donc, j'en ai presque... Pardon.